Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Crash Landing, ce dernier épisode de Crash Landing. J'espère que vous allez bien et on se retrouve du coup avec pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc vous avez vu, j'ai réussi à récupérer des têtes de Wither avec un petit abri, un petit système de fortune, rien de très exceptionnel. Mais bon, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vous avais annoncé, on part sur le dernier épisode de la série. Et donc je voulais pas m'embarquer sur les trucs, sur un truc énorme ou quoi que ce soit. Même si j'avais d'autres solutions pour automatiser et récupérer les têtes de Wither au kilo, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, on va déjà commencer par clôturer les quêtes qu'il nous reste à faire. En tout cas, je les ai faites en off, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Et ensuite, on va attaquer le Wither et on va attaquer l'Ender Dragon. Et petit truc sympa, hop, le Mister Luggage récupère nos items. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous avez pu le voir pendant la première petite séquence. Et donc, c'est assez sympa parce que l'air de rien, il peut stocker quand même pas mal de petits trucs. Et à chaque fois qu'il y a des loots qui tombent par terre, si je me bats contre des mobs ou quoi que ce soit, lui, il va tout récupérer dans la foulée. Donc ça, c'était pour le petit plus pour ceux qui avaient éventuellement raté le truc pendant la première séquence. Donc ça, c'est le truc assez pratique. Et d'ailleurs, pour la toute petite parenthèse, je vous avais dit que j'étais un très gros fan de Terry Pratchett. Et il est décédé il n'y a pas très longtemps, l'auteur de ses bouquins, malheureusement. Donc voilà, du coup, on avait fait le Luggage. Et puis, bah, ouais, petit clin d'œil supplémentaire. Bon, bref. En tout cas, aujourd'hui, on a d'autres choses à faire. La dernière fois, je vous ai demandé aussi, et surtout, je vous avais dit de ne pas hésiter de balancer en masse un petit peu des likes pour savoir un peu si vous avez apprécié cette aventure modée. On a fait pas mal de choses RP au niveau de la construction, histoire d'avoir quelque chose d'assez sympa. Pas mal de méca, même si je pourrais encore en faire, je sais pas, 5, 10, 15 épisodes. Je sais que c'est quelque chose qu'on peut pousser encore plus dans les tours. Mais c'est pas l'objectif, sinon on va tous se lasser, moi le premier. Et j'avais quand même noté 2-3 petites choses qu'on avait pu me dire qui étaient assez sympas, on en reparlera un petit peu plus tard. En tout cas, dans l'immédiat, comme vous pouvez le constater, ça y est, on est full, all quests completed, on est terminé. Donc ça, on a terminé, donc ça c'est plutôt cool. Pour la partie power, sachez que c'est juste du craft en off, donc j'ai pas trop envie de m'étendre à ce niveau-là. Bon, il y a quand même 2-3 petites choses à faire, hein, bien évidemment. Et à savoir, notamment pour la cyanite, qu'on peut récupérer grâce au générateur. Pardon, je vais y arriver. Et ensuite, c'est juste du craft en cascade pour pouvoir faire tout ce bordel qui est listé juste ici. Donc il y a quand même pas mal de choses différentes. C'est assez long à faire, donc c'était quand même plus sympa de le faire en off, mais je vous montre quand même, voilà, c'est fait, c'est terminé, et ça évite de passer une demi-heure dans un épisode à faire les crafts. Donc par exemple, Turbine Rotator, voilà un petit peu comment on peut le faire, du style ingot, etc. Sachant que les barres de, hop là, les barres de, hop, j'y ai arrivé, de cyanite ingot, on les obtient grâce au Big Generator. C'est ce qui ressort du système, il n'y a pas de craft, donc ça c'est une petite subtilité, mais voilà. Sinon, c'est que du craft au kilo, donc on stocke déjà tout ça pour dans l'immédiat, on ne va pas en avoir besoin. Je regarde un petit peu ce qu'il fallait d'autre, et du coup je pense qu'on va pouvoir ranger, on va pouvoir ranger notre bouquin, sachant que le Big Generator qui est là, je vais le laisser comme ça. On peut l'agrandir hein, avec ce qu'on a crafté. On peut faire un truc 2 fois plus gros, mais encore une fois, j'ai pas envie de faire 10 épisodes supplémentaires, de me lasser et de vous lasser là-dessus. Donc bon, tant pis. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Hop, on va ramasser ça. Bon, c'est le dernier épisode, il n'y en a pas forcément besoin, mais c'est pas grave, on stocke ça. Et c'est parti du coup. J'ai un chat dans la gorge. Est-ce que tu vas sortir de là, chenapan? Et donc, ah putain, je vais y arriver, pardon. Et donc, viens par ici, le petit Luggage. Et donc, on va pouvoir continuer et démarrer cet épisode. Je suis en train de réfléchir. Il faut que je vous montre... Non, c'est bon, je vous ai montré un petit peu au niveau des crafts, donc ça, c'est bon. Donc, on va devoir pouvoir attaquer le truc. On va ranger le bouquin. Je repense à autre chose. S1 m'avait mis un petit commentaire, comme quoi, sur ce dernier épisode, on allait pouvoir attaquer... l'Ender Dragon grâce
à Land Cake, donc il va falloir qu'on le fasse, et surtout qu'on fasse des Angel Blocks, parce qu'il y a juste une plateforme d'obsidienne dans l'End qui est complètement vide. Donc ça, il va falloir qu'on prévoie un petit peu le coup, sinon on va être un peu dans le caca. Donc ça, je crafterai ça après, on va déjà faire par étape et s'occuper déjà du Wither qui est un petit peu plus loin, du Wither qui est un peu plus loin, qu'on va faire spawner un petit peu plus loin, voilà, vers là-bas, je pense. Et je ferai ça en off, et à la limite je vous montrerai, je vous dirai, bah voilà, l'Angel Block il se craft comme ça, etc. Et l'autre truc, j'avais un autre commentaire intéressant, donc Albert Einstein, rien que ça, qui me disait, pourquoi pas refaire un vaisseau spatial. C'est pas une mauvaise idée, mais je t'avouerai que du coup, vu que j'avais prévu de mettre fin à la série, ça paraît un petit peu short de construire un vaisseau spatial maintenant, sachant qu'on a quand même fait pas mal de choses. Et... en plus, vu qu'on est arrivé comme là à la fin du bouquin et des quests, parce que là, pareil, ici, sur cette catégorie-là, je ne l'avais pas encore montré, pouf, voilà, terminé, j'ai réussi à avoir tous les liquids qui manquaient, et là, on est à 100%. Donc encore une fois, merci pour le commentaire, et à la limite, à prévoir pour le prochain. Hop, on range ça, plus besoin pour l'instant. Toi, hop, on va te gaver comme un cochon. C'est parti. Et du coup, merde, je viens de penser à un truc, j'ai rangé le bouquin, mais j'ai complètement oublié de vous montrer quelque chose. J'ai fait un petit setup, rien d'extraordinaire, mais l'air de rien, dans la partie Technological Revolution, voilà. J'ai récupéré Meat, Sewage, du Pink Slime et le quatrième, je sais plus ce que c'était, du Sewer. Donc hop, comme d'hab, ça téléporte. Voilà. Et donc, je vais vous montrer déjà, première chose, rendez-vous dans le jardin. Donc, j'ai pas replanté, mais c'est pas trop grave. Mais le sludge se récupère ici, grâce à l'harvester. Tiens, d'ailleurs, il en reste encore un petit peu. Et l'harvester, en ramassant un petit peu tout ce qu'il y a dans le jardin, stocke le sludge. Et après, bah voilà, quand on replante et qu'il re-ramasse, à chaque fois, ça permet d'agrandir les quantités. Donc, voilà comment j'ai fait pour cette catégorie-là. Et du coup... Hop, voilà. De l'autre côté, un petit setup. Pas tip top, mais voilà, ça m'a permis de faire mes petits trucs en off tranquillement. Salut Piggy. Ici, je me suis fait 2-3 petits trucs avec quelques cochons à l'intérieur. Et quelques petits trucs qu'on avait craftés ensemble. Sachant que ici, avec l'auto-spawner, je l'avais déplacé, je l'avais mis à l'intérieur pour faire spawner des cochons en masse. Et c'est ce qui m'a permis ici, grâce au Slaughterhouse, de récupérer voilà, de la meat qui est juste ici. Et en étirant un petit fluid duct par le dessous, j'ai obtenu ici l'autre partie qui est le pink slime, qui est beaucoup plus dur à obtenir. Par contre, en termes de pourcentage, le meat, on en obtient beaucoup plus. Et... What? Non, c'est bon. Et dernier truc ici, le Sea Wedge, donc c'est un petit peu, je sais pas, on ramasse la merde des cochons, on va dire, je pense. Ça permet de monter tout simplement, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune action spécifique à faire. Et pendant que le coffre pète un câble et que j'ai vu un piggy là-bas s'échapper, hein, le Sea Wedge, ça permet en gros de récupérer du caca, vas-y, fais ta petite danse. Et la valeur est différente selon les mobs, hein. C'est du 20 millibuckets par seconde pour les cochons, je crois que c'est 25 pour les vaches, les chiens en donnent aussi, j'ai envie de dire n'importe quel mob passif qui a un trou du cul. Bref, en gros, produit du déchet, et c'est ce qu'on peut récupérer ici dans un Hardened Portable Tank. Donc ça n'a pas été forcément le plus compliqué. Et du coup, on se retrouve, bah, la boucle est bouclée, on se retrouve avec, avec voilà, nos 4 éléments qui sont ici, et du coup, le livre de quête complètement terminé. Et donc cette fois-ci, je vais pouvoir réellement le ranger. Donc on va retourner à la casa. C'est parti. Hop. Et comme d'hab, j'ai vraiment du mal avec les portes en fer. Mais même en vanilla, en fait. Même en vanilla, c'est une vraie tannée. J'ai du mal avec les portes en fer. C'est quand même quelque chose. Voilà. On range le bouquin. Au passage, j'ai déjà les 3 têtes de Wither. Je me suis fait un stuff full diams aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'écarter, je pense... Oula, petit lag. Je vais aller m'écarter vers là-bas, je pense. Je vais suivre la route. Je vais installer ce qu'il faut et faire popper le Wither, histoire qu'on lui apprenne le respect. Et normalement, on devrait pouvoir récupérer quelques petits objets particuliers avec lui. Donc ça, on verra ça, on verra ça après.
Et pour le taper, donc bah j'ai mon épée, pas de soucis. Par contre, il va me falloir. Ouais, non, ça c'est mon stuff, il est bon. Il va me falloir des flèches. Voilà, c'est ça. Il va me falloir des flèches. Alors l'avantage c'est que c'est pas des flèches, mais on a des guns. On va prendre le needle gun. Parfait. Et à côté, on a du needle gun ammo, on a un gros stock. Par contre, le trekking. Oh la galère. Ok. Je sais pas si j'avais eu ça dans un livre de quête ou si je l'avais trouvé dans une ville, mais. Ah oh ouais, non, c'est galère. Galère à faire. Bon, on va pas s'embêter avec ces trucs-là. C'est sympa, mais non. Le nom assez court. On va prendre du needle gun ammo. L'avantage c'est que le craft est super simple. Et tout ce que j'ai là, je l'ai majoritairement trouvé en ville. Hein. Donc on va pas s'embêter. Je récupère tout ça et on va aller apprendre le respect à notre ami le Wither, un peu à l'écart. Allez, c'est parti. À toutes les amis. Allez, c'est parti! Suce au Wither, donc je me suis mis un petit peu à l'écart, mais pas si loin que ça au final, donc il n'y avait pas forcément besoin d'ellipse. On voit la belle maison juste là, et puis là où on s'est crashé, juste à côté aussi d'ailleurs, donc là où on aurait pu potentiellement construire du coup notre vaisseau spatial pour repartir sur Terre. En tout cas, bah Albert Einstein, je te fais confiance sur la prochaine série. N'hésite pas dès le départ à donner des objectifs comme ça, un petit peu RP. Je pense que ça peut être vraiment sympa, ça peut être vraiment marrant de faire ça dans ce sens-là. Et donc, notre Wither, j'ai commencé à le faire. Pouf, la dernière tête. On s'équipe avec notre flingue méga badass. On n'a plus qu'à attendre, pardon, qu'il arrive. Alors j'y vais un peu à la mode YOLO, j'ai mon flingue. Ok, c'est parti. Ok, c'est bon. Alors j'ai mon flingue, par contre c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre de pommes de notch ou quoi que ce soit. J'ai même pas fait de potion, je suis complètement à poil au final. J'espère que ça va passer. J'ai pas l'impression de lui. Si, il perd un peu de vie, mais j'ai pas l'impression de lui faire perdre beaucoup. J'aurais peut-être dû mieux faire. Mieux préparer mon coup. Allez, tu perds de la vie ou quoi? Ah ça y est, franchement c'est tendu hein, j'ai pas l'impression de lui faire perdre grand chose là. En tout cas pour l'instant au niveau de ma vie je suis quand même plutôt bien, mais lui il a du mal à descendre. Et quand il va falloir passer au cac, c'est là où ça risque d'être dangereux pour moi. J'espère vraiment que ça va le faire. On va voir, on va voir. Allez, bientôt je vais pouvoir passer au cac. Allez, c'est parti. Viens par ici. Hop, cac. Oh, petit lag de merde. Merde, champ. Bon ça c'est pas top, il perd beaucoup de vie sauf que moi j'ai pris cher. Ok. Ok, viens par ici le Gage, tu m'as volé un truc. Ouais, tu m'as volé ma Nether Star. Enfin tu l'as pas volé. D'accord, bon, il fait nuit, je suis en Wither, c'est un peu la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut que. Ah j'ai du lag. Je vais relancer, il va falloir que je relance Minecraft, je pense. En tout cas. Ah, je suis dans le gros caca. On va se dépêcher d'essayer de rentrer à la maison. Mais c'est dangereux cette histoire. Oh, j'ai du lag dégueulasse. Ouais, c'est mort. Je vais y passer. Je vais y passer. Non. 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 Hey! On n'avait jamais testé encore ce truc-là. Dommage que là, ça lag un petit peu. Ok, allez. Dodo. Il faut que j'aille récupérer mon stuff parce que là, ça pue le caca. Go! Bon, normalement j'ai fait passer la nuit, il devrait pas y avoir du mob, ça devrait le faire. Comme d'hab, cette fichue porte, saleté. Ah si, il y a du mob quand même. Hein. Il y a un peu de mob, mais bon, ils sont en train de cramer. Logiquement, je devrais pouvoir récupérer mon stuff. On va essayer en tout cas. Voilà, t'as cramé. Oh! Non! Non, ça pue! Ah, rien invisible. Ça pue, ça pue. J'ai pas d'armes. Cassos. Cassos, cassos. Cassos, cassos, cassos. Ça pue du cul. Alors vous avez vu, j'ai une petite tombe. C'est un des mods qui permet de gérer ça. Bon, c'est plutôt cool, hein. Comme ça, au moins, j'ai pas de stress. J'ai pas du 5 minutes chrono pour récupérer mon stuff. Dépêche-toi. Allez. Heureusement qu'elle m'a pas poursuivi l'araignée parce qu'elle aurait pu me mettre une petite claque derrière la gueule, là. Ok, bon, écoutez, je vais aller chercher mon stuff en off et je vais préparer la suite de l'épisode. À toutes les copains. Ok, enfin, j'ai récupéré mon stuff, j'ai fait 2-3 petites choses, j'ai eu le temps de faire 2-3 autres petits trucs IRL aussi.
mon double maléfique est en cours de reconstitution suite à la mort que j'ai pu avoir. Et donc, j'ai préparé 2-3 petits trucs. J'ai pas du tout fait le ménage dans mon inventaire avec les trucs que j'ai pu dropper du Wither. Donc, le cœur jaune qui permet en plus d'avoir des Yellow Heart Canister pour ensuite avoir du vert. Bon, il y a de quoi upgrader comme un cochon, mais j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Et ces deux parties-là qui sont activées sur une table d'enchantement. Oui, ça y est, ça prend forme. Il est terminé. Parfait. Et j'ai suivi vos conseils, en tout cas les conseils d'un commentaire d'Ezwan qui me disait, donc pour aller dans l'end, il faut faire un Undercake et prévoit le coup avec des Angel Blocks parce qu'il n'y a qu'une plateforme d'obsidienne. Et l'air de rien, j'ai pris quelques infos sur le net et c'est un peu la merde, effectivement. Tu as raison, il y a juste une plateforme d'obsidienne. Et en plus de ça, j'ai lu quelques commentaires de gens qui ont joué au jeu et qui disaient que ouais, l'End avait l'air d'avoir un côté un peu buggé, l'Under Dragon se barrait à perpète de la plateforme. Alors, j'espère que ça va le faire. En tout cas, on va voir ça ensemble. Première chose, l'Under Cake. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, une Golden Apple, deux cakes et ensuite Ender Block. Il en faut 6 et c'est juste avec 4 Under Perles. Donc là-dessus, pas trop de... Comment dirais-je, pas trop compliqué à faire. Donc l'Undercake, je l'ai posé juste ici. Et par rapport au conseil sur les Angel Blocks, le voici, le voilà. 2 plumes, une obsidienne, un d'or. Et j'ai fait masse de stock. Et je me suis crafté un jetpack. On m'a conseillé de faire un jetpack. Voilà, et c'est F pour l'activer. Ok, tout va bien. Écoutez, il n'y a plus qu'à espérer maintenant que ça va passer, que ça va le faire, que c'est pas aussi buggé que les gens peuvent le dire. Et ensuite, il me suffit de manger l'Undercake. Ah, what? Non, j'ai pas fait ça. C'était quoi le craft déjà? Oh! Non! Non! Ok. C'est parti pour faire un deuxième Undercake. Putain. écoutez, je vais en refaire un. Mais attends, j'ai fait clic droit pour le bouffer, il a pas voulu. Clic gauche, ça l'a juste complètement one-shot. J'espère que ça marche quand même. Normalement, ça fonctionne. C'est l'end une fois dedans qui est un peu merdique, mais normalement, le truc fonctionne. Bon, les copains, je me refais un Undercake, c'est reparti. Et on se retrouve. Undercake, deuxième, c'est reparti. J'en ai profité, vu que c'est la nuit, pour déglinguer quelques mobs, histoire que ma barre de faim descende un petit peu. Et puis là, il me manque un gigot, donc ça tombe plutôt bien. Je me suis dit peut-être que il faut que j'ai faim, vu qu'il faut que je mange l'Undercake. Donc c'est parti. Ah, ok. Donc effectivement. Je vois rien du tout. Vous êtes sérieux? Donc comme on me disait, il n'y a qu'une plateforme en obsidienne. C'est quoi les particules? Absorption, feuille, résistance. Ouais, normal. Il n'y a qu'une plateforme en obsidienne. Donc merci du coup pour l'indication. Déjà, ça me permet d'éviter d'être comme un con. Par contre, par rapport à ce qui me disait, ouais, par rapport à ce que j'ai pu lire comme quoi c'était un petit peu buggé. Mais what? J'ai cru voir le dragon à un moment donné. Viens là! Tiens! J'ai cru voir l'Under Dragon, sauf que au final, les amis. Non mais sérieusement?
Alors, à mon avis, l'Ender Dragon, les particules me cassent les bonbons. Mais à mon avis, l'Ender Dragon doit se balader comme si il y avait tout l'end qui était généré. À mon avis, c'est ça. Les développeurs du modpack ont supprimé l'end, en tout cas toute la partie endstone. Ils ont tout supprimé pour pas qu'on puisse venir farmer les blocs. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas redéveloppé le dragon, qui lui continue à faire son chemin. Et en gros, il doit se balader un petit peu à droite à gauche, là où il est censé y avoir la plateforme de l'end et des piliers en obsidienne. Ok, je comprends un peu mieux pourquoi certaines personnes disaient que l'end était complètement foireux et buggé. Ouf. Ah oui, je suis tombé un peu bas, ouais. Heureusement que j'ai des blocs. Je vois le dragon nulle part. Nulle part de chez nulle part. Le problème, c'est que vu où j'ai atterri, je suis même pas capable de savoir vers quelle direction exactement il faut que j'aille. C'est un peu triste. Allez! Viens là, je t'attends! On va essayer de s'écarter encore un petit peu, les copains. Tiens, regardez. Oui, usine Enderman. Il y avait même un creeper. Tiens, prends ça. Alors, tout ça, c'est bien. Ah, il faut un boucan pas possible. Music off. Voilà, allez râler ailleurs. Mais par contre, je rejoins du coup ce que certaines personnes disaient sur le net. Malheureusement, l'end est complètement buggé en fait, hein. Dans le sens où le dragon, lui, il se balade tranquille. Voilà, on voit pas sa barre de vie. Et puis lui, il continue à faire sa trajectoire. Comme si la plateforme de l'end était toujours là. Ouf. Allez! Alors c'est un petit peu triste quand même tout ça. C'est un petit peu triste. Je comprends un petit peu mieux quand même certains points de vue sur le net, mais c'est un petit peu triste de voir que bon, on se retrouve dans l'end et puis il n'y a que dalle quoi. Alors en gros tout ça pour ne pas. Vous en rappelez, on était allé se taper le. On avait tapé le portail du Nether pour voir un peu ce qu'il y avait dans le Nether. Et il se trouve qu'il n'y avait rien du tout dans le Nether. Parce qu'ils avaient supprimé le Nether aussi. Par contre, le portail, on pouvait toujours le générer. Le problème, c'est que du coup, l'end. Eh bah. Que dalle! Bon, écoutez, les amis, c'est un peu décevant quand même. Un petit peu décevant cette histoire. Alors, je rajoute des plateformes spawnables pour tous nos amis Enderman. Taïo. Aïe! Ça fait mal, ça. Le truc, c'est que le dragon n'apparaît malheureusement pas. Aïe. Donc, en tout cas, j'espère quand même que vous avez apprécié cette série. Aïe! Ah! Non, laissez-moi. Oh. Ah, c'est facile à les péter, à les péter les blocs. Ok. Vous allez voir, c'est qui le patron? Tiens! Hey! Bon, en tout cas, on a une usine. On a une usine Enderman. Oh le bordel. Oh, j'ai des stacks et des stacks de. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ouais, je ressens plus à Batman qu'à un Enderman là. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris
un réel plaisir à avoir fait cette série, vraiment. C'était vraiment superbe à faire. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir, comme moi, à faire cette série. En tout cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à lâcher une blinde de likes. Ça me permettra de voir si vous êtes partant pour une série supplémentaire, un peu dans le même type, du style Feed the Beast. Alors peut-être avec moins de méca, c'est à moi de voir, peut-être plus d'exploration. Je regarderai ce que je pourrais trouver. N'hésitez pas aussi à conseiller dans les commentaires ce que vous aimeriez voir. On avait... Dans les commentaires, on m'a déjà parlé de Agrarian Skies ou ce genre de série. Après, Agrarian Skies est un peu plus connu vu que Hypierre l'avait faite sur sa chaîne, même s'il ne l'a pas terminé. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, un très grand plaisir pour moi d'avoir fait cette série en votre compagnie. Donc je vous dis à très bientôt tout le monde. Allez, salut et ciao ciao !